Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 100% astuces action. Donc là, il s'agit d'astuces organisation et rangement. Donc là, je vous montre les produits que j'ai achetés pour organiser le bureau d'Arthur. Donc il y a des produits qui normalement sont faits pour le frigo, mais moi je vais les utiliser différemment. Donc en premier, je crée des étiquettes. Donc là j'ai créé des étiquettes Play-Doh pour pouvoir ranger la pâte à modeler. Blacked out and flying with you. I don't care that my mind's gone insane and my heart will burst into flames. No, I don't care about the heartache and pain, just don't. Donc là c'est parti, je passe dans la chambre d'Arthur et vous voyez c'était vraiment le bazar dans son bureau. Donc je me suis dit c'est parti, on ne peut plus fermer les yeux, il faut y aller. Donc bah, et voilà, lui il a sa façon de ranger à lui qui ne me plaît guère. Voilà, et bah, il fallait faire un grand tri, il fallait vraiment réorganiser tout ça. Donc en premier j'enlève tout ce qu'il y a sur le bureau, j'enlève absolument tout et je donne un petit coup de produit dessus pour enlever les taches. Donc la pâte à modeler dans ces petits bacs. Pink sky ride, going faster, getting wilder. Don't care if I get out alive. You feel that beat getting harder, floating on end. We're rebels at least for tonight. I don't care that my mind's gone insane. Donc là, je passe au tiroir. Maintenant, je mets les différents bacs qui viennent d'Action et je range à l'intérieur donc tous les crayons. J'ai repris donc exactement le même système que pour mon bureau à moi. Je trouve que c'est vraiment le meilleur système pour s'organiser et pour remettre de l'ordre dans son bureau. Je passe ensuite au dernier tiroir. Donc là, je mets le rangement donc, qui se trouvait au rayon bureau. Et je mets donc à l'intérieur un gros paquet de feuilles comme ça pour qu'il dessine. Parce qu'Arthur adore dessiner. Il adore écrire plein de choses. Donc du coup, voilà, il a ce qu'il faut. Et au moins, là, c'est bien rangé. Sur le bureau, donc je mets cet autre bac, donc là pareil que vous trouvez au rayon, bah c'est le même en fait, hein, que vous trouvez au rayon bureau, et je mets dessus donc ces livres de coloriage, etc. Dans cet autre rangement pour frigo, je range la colle, le taille-crayon, les ciseaux. Tu amor me compromete.
te. Soy tuya pa' que respeten. Ya, yeah, ya, yeah, vale más que mis billetes. Y que me volo interprete. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. VIP pa' ti, baby, ¿quién lo diría? Todo lo que yo hago por ti. Orgullosa diciendo tú eres mía. Ensuite, donc là, je passe en cuisine et j'ai trouvé une super astuce sur TikTok pour ranger les sacs poubelles. Vraiment, ça, c'est le top. Ça fonctionne avec n'importe quel bac comme ça, avec un trou. Donc moi, j'ai pris celui-ci puisque j'en avais à la maison. C'est ceux qui viennent d'Action. Donc là, je fais pareil avec mes deux rouleaux de sacs poubelles. Et ensuite, je laisse dépasser un petit peu les sacs. Après, vous pouvez mettre plusieurs rouleaux à l'intérieur ou bien vous pouvez mettre des sachets de conservation. Vous pouvez mettre voilà n'importe quel système comme ça qui se tire. Ma troisième astuce, c'est avec des paniers d'Action. Donc l'idée, c'est de mettre toujours un panier en haut, un panier en bas tout au long de la journée. Donc on met dans le panier qui est en bas les différentes choses qui sont dans le salon et qui doivent remonter le soir là-haut. Le soir, je prends ce panier et je range les différentes choses qui sont à l'intérieur et qui sont destinées à être rangées en haut. Et tous les matins, je mets dans le panier qui est en haut les choses donc qu'on a emmenées en fait d'en bas et qui doivent redescendre. Voilà, donc là, les gourdes, mon chargeur de portable que j'ai besoin d'utiliser également la journée en bas. Donc voilà, mais ça peut être n'importe quelle autre chose. Hein. Ma quatrième astuce, c'est pour réorganiser le meuble de l'entrée. Donc là, quand c'est le rush, le matin, le midi, enfin voilà, avant d'aller à la piscine et tout ça, c'est toujours, enfin c'est tout le temps le rush en fait, hein, vraiment, pour vous dire les choses en toute sincérité. Et donc du coup, je pose tout là, le parfum, enfin voilà, je mets tout là en bazar, comme ça, avant d'aller à l'école, les enfants, je les reparfume, parce que quand ils font leur toilette, ils font vraiment ça très rapidement, ils se brossent seulement les dents en haut, ils se font les oreilles, mais c'est tout. Donc là, en bas, moi, je revérifie si tout est bon avant de partir à l'école. Tout est posé comme ça, un petit peu n'importe comment. Donc là, je prends ce petit panier qui vient d'Action et je mets tout simplement à l'intérieur. A mí me encanta presumir tu baby con todas mis amigas. Día a día, no me importa lo que digan. No hay que decir. Je vous fais la petite démo d'un matin de rush. Donc un petit coup de débarbouillage rapide, un petit coup de coiffage avec une petite noisette de gel. Comme ça, c'est réglé. J'ai pas besoin de remonter en haut, etc. Voilà, c'est fait et on n'a plus qu'à partir pour l'école. Ma cinquième astuce, c'est avec cette petite plaque de marbre qui vient d'Action. Je m'en sers pour poser le produit pour se laver les mains et ma crème pour les mains. Ma dernière astuce, c'est ce bac en fait d'Action, enfin cette boîte qui est utilisée normalement pour ranger donc tout ce qui est pâte, riz, etc. Et moi là, je l'utilise pour ranger mes lingettes microfibres. Donc là, il n'y a évidemment pas toutes mes lingettes microfibres puisque les autres, elles sont rangées dans la buanderie, enfin dans mon chariot de ménage. Mais là, c'est mes lingettes donc pour 3-4 jours et ça me suffit largement. Donc là, je plie tout ça et je mets tout à l'intérieur et c'est beaucoup mieux rangé comme ça. J'espère que cette vidéo 100% astuce Action vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.